l'a tué à coups de chasse-pau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes policiers, marchands de calomnie, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maxime Ducan, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Falès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fier tas à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre, et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.